Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Célandron pour le 10e épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors la dernière fois, un épisode qui s'est plutôt bien passé malgré une mission très difficile. On en est sorti avec plein de promotions, aucun mec blessé, pas de mort, rien du tout, c'était nickel, je veux plus d'épisodes comme ça. Donc maintenant, on va surveiller l'activité, c'est parti. Alors, donc on a une... On vient de finir un satellite. Mais est-ce qu'on peut l'envoyer? Eh ouais, c'est ça, il manque des terminaux de liaison. Sinon j'aurais bien pris les USA, je crois. Quoique. J'ai deux satellites, plus 3 centimètres par... plus 3 scientifiques. Ouais, de toute façon, il faut qu'on... On en est où en fait au niveau de la mission principale, parce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse la mission principale, un de ces quatre. Faut fabriquer l'électroflux. Mais on n'a pas déjà fabriqué un. Électroflux, électroflux, électroflux. Je pensais en avoir fabriqué un, mais non. Voilà, donc j'ai fait un électroflux. Ça c'est bien. Allez, on continue d'étudier. Ah ah. Ouf, un grand. Bon bah on va y aller avec le canon Phoenix. Ça par contre ça va être... Je pense qu'il va crever. Je suis pas sûr mais je pense qu'il risque de crever. Il est énorme. Allez, allez, allez. Ouh, il l'a eu. Il l'a eu et ça va être une mission, je pense, difficile. Mais c'est pas grave, parce que là, on a vraiment tout un paquet de monde. Ouh là là, plein de grenadiers, plein de commandos. On va peut-être changer ça. Parce que là, ça va être un gros bordel. Alors, on a sergent machin. Ouais, bon, on va déjà retirer Zang, parce que de toute façon, t'es pas... T'es un perso additionnel, je vais peut-être pas te prendre. On va prendre notre sniper. Hop, déjà. Dormeur, on a un deuxième classe. En fait, on a un sniper et après tout le reste, à part notre soldat CEM, c'est soit des grenadiers, soit des commandos. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un petit nouveau. Ce qui veut dire qu'on aura... Il faudrait que j'ai un sapeur aussi. Alors toi... Toi, je vais te modifier. Quoique non. Toi. Non, pas les modifications génétiques. Tu vas t'équiper d'un électroflux. Tu vas aller au corps à corps. C'est pour ça qu'on va augmenter tes PV. Parce que sinon, ça va être le bordel. Alors, soldat Grey. Est-ce que tu veux pas prendre un medikit en plus? Histoire qu'on soit pas mal. Donc on a un commando avec un medikit... On a deux commandos avec un... Enfin, grenade... Oups. Non mais vous étiez bon en fait là. C'est mieux. On va y aller avec ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc toi, il faut que je te mette en priorité à l'avant pour que t'ailles... capturer un extraterrestre. Allez, go. On va commencer l'attaque. Trouver les pales de l'ennemi. Inspecter les lieux. Dans une zone isolée, près d'une petite ville. Les conteneurs. Le site... Ouais, je sais. Comme d'hab. En tout cas, je suis content. Pour l'instant, nos avions, ils tiennent. Même si je pense qu'on a eu pas mal de chance sur ce coup-là. Alors, attendez. Parce que là, j'ai encore jamais fait. J'ai encore jamais battu d'OVNI aussi grand. Ça va être un joyeux bordel. Parce que soit on monte par là et on va sur le toit. Mais je pense pas qu'il y ait du monde sur le toit. Soit on rentre directement en passant par la petite porte. Je pense qu'on a tapé la petite porte. Allez, toi t'avances. Serait-ce le vaisseau responsable des attaques qui ont eu lieu lors des enlèvements? Alors. Par contre, du coup, un sniper... À l'intérieur, ça va être un petit peu n'importe quoi. Bien,
Attends, faut pas que je loupe. Alors, qui est-ce qui a le... Le machin de... C'est toi hein, qui a l'étourdissement. C'est dormeur. Eh ben, on va y aller avec ça déjà. Ok, il y a des bruits bizarres. Mais ça ne m'étonne point. Oui, oh. Voilà. Ok, je pense qu'on va commencer à rentrer par là. On va... Où est notre sapeur? Notre... Pas notre sapeur. Notre grenadier équipé. Tu vas aller là. Au courant. Ça, tu vas pouvoir être en... aux premières loges. Sniper avec fusil de précision, on va peut-être le conserver. Tu vas te mettre un peu derrière. Ouais, on va courir parce que ça a l'air d'être plutôt safe. De toute façon, on a notre gros CEM au cas où. Voilà. Donc, on va ramener tout le monde, hein. Quitte à courir un peu. Là, ça a l'air d'aller. Voilà. Ok, c'est bien ce qu'on pensait, il y en a par là. Alors, quelqu'un m'ouvre cette porte. Regardez ces réserves. Ah ah! Aussi répugnant que ça puisse paraître, c'est sûrement ce qui leur permet de garder leur cobaye en vie. Donc, on a deux modes furtifs enclenchés. Toi, tu vas te poser là. Tout le monde en mode vigilance, on se sépare en deux petits paquets, normalement ça devrait aller. Zut, pourquoi je l'ai foutu là alors que lui il n'a pas besoin de couverture? On se sépare en deux groupes de trois. Par contre toi t'es à coup de fusil précision. Tu vas rester là. Regroupez-vous, donc toi tu vas aller plutôt par là-bas. Il faut que tout le monde ait un œil sur tout le monde. Paquet d'isolé dans un angle mort. Voilà. On se regroupera après. On s'en fout de la moyenne sur ce... Ah voilà. Ouais, ça paye. Il l'a eu à trois coups. Non, ça par contre c'était nul. Oh la vache. J'espère qu'il n'y a pas les deux. Du coup. Donc on a étranglement ici, oui d'accord. C'est bon, je peux jouer? Non merde! Oh, bon d'accord. Allez, tu me le tues. Voilà. En mode attente. Il a déjà perdu 2 PV. Il y en a une deuxième qui traîne dans le coin. Oh oh, trois crusades. Ouh. Ouh la vache. Alors par contre vous êtes suffisamment loin, normalement vous pouvez pas attaquer. Nickel. Oh la vache. Il y en a une qui a pris super cher quoi. Donc il faudrait que je me pose par là. Est-ce que toi tu pourrais pas essayer de l'étourdir? Aucune cible à portée? Mais t'es pas à portée. Il est quand même juste à côté. Hein. Aucune cible à portée, d'accord. Bon, et ben allons-y alors. C'est vrai qu'il est pas suffisamment à portée alors qu'il est au corps à corps. C'est... un concept qui m'échappe. Alors toi tu vas te foutre là. Et je crois que je vais... utiliser d'une jolie façon le lance-flamme. Et bim. Panique. Oh, c'est bien ça.
Donc toi tu vas recharger. Ah, du coup tu le vois plus toi. Mais ça m'embête de vous séparer là pour le coup. Vous séparez pas, de toute façon il va revenir. Parce qu'il y a toujours la petite pieuvre là, qui se balade. Oula. Ouais, c'est... tu m'expliques dans quelle direction t'as fait ton tir, toi? Ok, là ça va être... un petit peu compliqué. Alors, donc du coup, tu as eu le deuxième. Nos problèmes. Par contre, il y a une vie. Ils sont tous en vigilance là-bas. C'est pas du tout bon. 45, 45. 68, 68. Allez, tu me le tues. Ah ! J'ai demandé est-ce que tu me le tues. Le truc, c'est que là, la grenade, ça va pas faire grand-chose. Ah, si, 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 il y a moyen. Je crois qu'il y a moyen d'en prendre deux. Ok. Toi, t'as pas une grenade aussi, toi? Alors, est-ce qu'on peut pas prendre les deux? Oh, si, je crois que j'ai vu un moment où ils étaient les deux. Yes! C'est magnifique, ça. C'est magnifique, les gars. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, tu vois rien. Du coup, tu sers à rien. Est-ce que toi, tu pourrais pas avancer à la limite si tu te prends un coup de... de petit réflexe, ça... Oh non, mais t'es sérieux, tu le vois pas? Toi non plus. Bon, d'accord. Et du coup, il y en a un tout seul, là. Est-ce que tu vas pas t'enfuir? Oh la vache! Bon ben, le petit soldat... Oh, deux de panique! Oh la vache! Oh. Je pensais faire une jolie mission, mais là... Ok. J'en ai marre. Tu as crevé. Oh. Aucun dégât. Ça roule. 76% là, tu me le tues. Voilà, tu me le tues. Bon, tout le monde revient parce qu'il reste toujours la pieuvre qui se balade. Ah, avec deux en panique là. Et un mort. Quand même pas sympa. Hein. Hop, tout le monde recharge. Voilà. Yes, heureusement que j'ai mis en vigilance parce que sinon... Ouh. Nickel, parce qu'il était sur mon sniper et j'aime pas trop qu'on touche à mon sniper. Du coup, on va pouvoir avancer gentiment. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on va sur le côté? Donc c'est que là il y a encore énormément de choses quoi. On va essayer d'avancer. De toute façon on va aller dans la salle. Je suis en route. Voilà. Donc normalement il n'y a plus personne. On va pouvoir avancer de façon plutôt importante. Sans trop de problèmes. Parce que là on a vraiment éliminé beaucoup de monde. J'y vais tout de suite. On a mis combien? 5 je crois. Ouais, c'est pas mal. Alors où est-ce qu'il y a du monde? Bon, on a perdu la deuxième mêlée, mais ça c'est pas un problème. Alors, où est mon sniper? On va te foutre ici, que tu m'ouvres la porte. Ah, d'accord, le commandant est là.
personne n'aurait le machin pour étourdir là. Alliez le mouvement. Ils attaquent par le flanc. Si, t'as le machin pour étourdir. Alors tu m'étourdis. C'est lui que tu dois étourdir. Dors bien. Non. La cible bouge toujours. Ok. C'est elle qu'on est censé normalement assommer. Sauf qu'évidemment, il a pas voulu. Raté. Bon, une bière à 64%. C'est un peu normal. Alors, approche-toi. Comment ça, 34%? Mais t'es juste à côté. Ah non, 74. Une victoire de plus. C'est tout? Bien joué, commandant. Ah bah, dis donc, je m'attendais à ce qu'on ait bien plus de bestioles dans le coin, mais non. Ah, c'est dommage, du coup, on a raté le... l'assommage, encore une fois, ça m'énerve. Bon. Et on a un mort. Oh, un major. Débusquement, tir précis mais puissant, ouais, non. Permet de tirer deux fois successivement sur une même cible. C'est pas mal, ça, gâchette rapide. Alors, Morganette Freeman, parce que évidemment t'es encore une fille. Dégâts de bonus pour les pistolets, vider plus 10 et défense plus 10 pour les ennemis en contre-map, en plus des bonus de hauteur habituels. Ah oui, quand même. Toi, on va te positionner en haut. Voilà. Donc, on est plutôt pas mal. On a juste que je recrute du monde, en fait. On va recruter deux personnes. Hop, navigation extraterrestre terminée. Du coup, on a station satellite et satellite furtif. Alors, station satellite... Ah ouais. C'est 4 satellites, c'est pas mal quand même. Alors, du coup, on va faire les lasers de précision. On va faire le laser de précision. Ah, installation. C'est à nos soldats de jouer. On va creuser ici pour mettre le générateur thermique. Deux autres générateurs ici. Et on va, je pense qu'on sera tranquille pour les derniers éléments. Leur technologie est remarquable, mais son inhumanité dépasse l'entendre. Oui, oui, c'est bon. On vient de recevoir une transmission sécurisée venant du conseil. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Nos sources nous ont fait part d'un incident à Terre-Neuve sur la côte de Saint-Jean. Un village de pêcheurs a été plongé dans l'obscurité. Les rapports suggèrent que les aliens sont impliqués. Nous devrions envoyer une équipe pour enquêter et découvrir ce qui s'est passé. Ok. Par contre, du coup, on va virer le commando. Donc on a Dormeur, on a All In, on a Vanessa, on a Veto. Du coup, c'est toi qu'on va retirer et qu'on va mettre un joli petit nouveau. On a enfin des mecs, je sais pas si vous avez remarqué. Du coup, c'est pas mal. Faut toujours qu'on capture un alien vivant. On est censé capturer un commandant, mais je crois qu'on peut capturer autre chose. Faudra juste le capturer plus tard, le commandant. Cette opération va se dérouler au Canada. Canada. Ouais. Il faut identifier et éliminer tous les ennemis. Oh là là. Commandant, on nous a demandé d'enquêter sur d'étranges phénomènes survenus près d'un petit village de pêcheurs sur l'île de Terre-Neuve. Les autorités locales répondaient à un signal de détresse quand tout contact a été perdu, avec le navire, le village et l'équipe de sauvetage. Strike One va devoir aller sécuriser la zone. Tâchons de découvrir ce qui s'est produit. Objectif mis à jour. Ok, il a l'air d'avoir eu un sacré gros bordel. Est-ce qu'on peut aller se mettre sur les toits? Yes, on peut se mettre sur les toits. Alors, est-ce que t'as une vue? Ah non, t'as pas franchement une vue géniale. Y'a pas un truc super haut là-bas? Ah si, il faudra aller là-bas. Bon, en attendant. Hop. On va se regrouper un peu. Ouais, ça fait 20 minutes. Attendez, je reste encore un petit peu, quelques minutes, parce que je suis un peu à fond.
On va passer par là, on va se séparer en deux groupes. Hein. Un avec le gros Koubiak. Ah zut, j'aurais dû le faire passer de l'autre côté. Bon, on va le faire passer de l'autre côté. Ouais. C'est pas grave. Ah ah, il y a des vaisselles là-bas. C'est quoi qui fait ce bruit? Il y a des zombies. Ouah! Ce qui signifie que les chrysalis ne sont pas loin. Il faut découvrir d'où viennent ces choses au plus vite. Nouvel objectif reçu. Alors par contre, tu ne tapes pas sur un de mes mecs. Et il faut quoi mon sniper là? Bon, là tu me le tues, hein. T'as 100% de précision quand même si tu le loupes. Alors tu vois toujours rien toi? C'est dingue. Alors toi tu vas avancer. On va peut-être pas te mettre à découvert comme ça. Et ça va être le dernier tour pour cet épisode. Ça sera un peu de suspense. Et pourquoi il n'y a rien ici? C'est sûr, il doit y avoir plein de trucs. Là, il n'y a rien. Un capto ici. Recharge. Toc, mets-toi là. Et passer en mode attente. Oh oh! Allez hop, joli petit tir réflexe. Allez! Allez! 4 seulement! Oh, c'est dommage. Enfin, tu l'as touché, c'est déjà pas mal. Ok, et ben on va arrêter là. Pour cet épisode, bah ça s'est plutôt bien passé, à part qu'on a perdu un soldat. Bon. C'était un soldat, mais on a quand même perdu une unité, c'était pas super cool. Enfin, c'est pas grave, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous !